Salut, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons voir les bordures. Nous allons commencer avec un point simple, le point coquille. Donc c'est important de savoir les multiples. Donc, nous allons commencer. Donc, pour faire 7 points, il faut faire une chaînette de base d'un multiple de 4. Donc, je vais faire une chaînette de base de 16 mailles en l'air. 16. Et je vais faire une maille en l'air. Car il faut faire deux rangs de mailles serrées. Donc, je vais faire les premiers rangs de mailles serrées. Et voilà. Maintenant, je vais faire une maille en l'air car il faut faire le deuxième rang de mailles serrées. Et voilà, maintenant nous allons commencer. Nous allons commencer à faire le point principal. 3 mailles en l'air, tourner l'ouvrage et ici faire 2 mailles prises, c'est-à-dire demi-coquille, puis sauter 2 mailles dans la troisième, faire la maille coquille, c'est-à-dire 2 brides. Deux mailles en l'air, car il faut faire les coins ici. Donc, nous allons faire 2 mailles en l'air et puis dans le même point, 2 brides encore. Puis encore sauter 2 mailles dans la troisième, faire le point coquille, c'est-à-dire 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides dans le même point. Et encore sauter 2 mailles dans la troisième, faire le point coquille, sauter 2 mailles dans la troisième, faire le point coquille, pour terminer le rang et la bordure, il faut faire 3 brides ici à la fin du rang. Et la bordure, c'est prêt. Voilà. C'est très simple. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois. Au revoir.